Il fallait trouver une ville accueillante, qui puisse nous héberger, et puis aussi qui puisse donner une forme de tonalité et d'esprit au séminaire. Et notre choix s'est porté assez rapidement sur Nancy, d'abord parce que le maire de Nancy est un vieil ami, même s'il est très jeune, mais ça fait quand même très longtemps qu'on est amis. Et puis parce que je sais qu'ici, il y avait des capacités hôtelières qui nous permettaient d'organiser les choses de la meilleure des façons. Et puis parce que Nancy, c'est une ville qui fait référence, où on sait qu'il y a un dynamisme universitaire, de la recherche, une ambition culturelle. Donc pour toutes ces raisons, ça nous semblait une bonne façon de commencer le travail en commun. Vous connaissez bien, monsieur le Premier ministre, cette ville, et combien cette ville est évidemment fière d'accueillir votre gouvernement. On va beaucoup travailler. Hier, on a dîné, on est dans un lieu extraordinaire, architecturalement extraordinaire, mais qui est fonctionnellement encore plus impressionnant. Et puis après le dîner, on est arrivé sur cette magnifique place. Et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de Nancéens. Beaucoup d'habitants, oui, c'est vrai. Très accueillants, un certain nombre de touristes aussi. Et tout ça s'est passé dans un esprit à la fois simple, décontracté et en même temps studieux et respectueux, ce qui était parfait. Sur l'art urbain, c'est lui qui coordonne, anime, plus tout ce qui est place de l'art urbain. Comme on voit en ce moment d'ailleurs. On va dire à la place de ce petit peu de la signer. Gérard. Je crois que c'est toi qui as le stylo. Surveille. Pour Nancy, c'est une marque de reconnaissance par l'État. Et quand tout le gouvernement vient à Nancy, c'est vraiment l'État dans toutes ses missions qui finalement reconnaît et vient dans notre ville. Et puis parce que ce gouvernement surmonte les anciennes limites partisanes et à 100% sur le redressement du pays. Et c'est évidemment pour une ville comme Nancy qui s'est toujours méfiée des réflexes partisans, des dogmatismes, une démarche qui nous va bien. Donc on attend beaucoup et on est prêt à travailler pour que le gouvernement réussisse dans sa mission.